Et bonjour à tous, on se retrouve sur Cave Story avec un sacré défi devant nous. Souvenez-vous. Souvenez-vous si vous l'aviez oublié. Nous sommes donc tout proche de la fin certainement, hein. On est tout en haut de ce monde. Voilà, salle du trône et tout ça, donc on est vraiment maintenant dans les lieux où le docteur, l'infâme docteur, a réussi à se procurer le pouvoir terrible, le pouvoir terrifiant. Qu'il possède maintenant. Alors souvenez-vous, voilà, on a un premier boss à tuer, c'est Misery. Et le problème, c'est que on doit l'enchaîner après directement avec le prochain boss. Et comme nous, la première fois qu'on l'a battu, on avait fait un peu nimp, hein, à la fin on était vraiment allé en mode bourrin, c'est-à-dire on avait accepté de prendre des dégâts pour... Aïe! Pour essayer de terminer le boss rapidement, on l'avait vraiment... Ouah, là j'ai mal joué. On l'avait vraiment... Ouais, là c'est très mauvais, hein. On n'est pas concentré, on parle en même temps, on dit n'importe quoi. On avait rushé, ouais, c'est ça que c'était le mot que je cherchais pendant tout ce temps. Hop! Donc, bien sûr, le truc c'est... Regardez quand il clignote. Quand il clignote, c'est quand il va lancer sa prochaine attaque. Voilà, que soit des tirs de... Comme ça, des tirs... De rond... Noir... Soit un bloc qui nous tombe sur la figure. Là, il y a les trois. C'est pas trop. Aïe! Bravo. C'est pas trop compliqué à éviter ces trois boules qui envoient des espèces d'éclairs noirs. Faut juste marcher sans s'arrêter. C'est juste que combiné avec le reste, voilà, ça peut être complexe. Qu'est-ce que je disais? Magnifique enchaînement. Réessayer, oui. Ok, bon, c'était la reprise un peu du jeu là pour nous chauffer à nouveau. Hein, pour bien sûr, c'était le. Ah ouais, non, ça prend, on va pas prendre des dégâts ici. C'était le combat de chauffe, hein, vous inquiétez pas. Allons vite chercher les cœurs, voilà. Et puis il nous manque des points sur notre arme, on aimerait quand même se mettre full. Alors lui, c'est possible qu'il nous donne beaucoup d'XP, hein, s'il décide de nous donner de l'XP. Sinon, on sait où aller en chercher, vous inquiétez pas. Pour se mettre bien avant le boss fight. On met toutes nos chances de notre côté, hein, quand même. Ah voilà, ouais, il nous donne max XP, c'est bon. Tout va bien. Alors. Bien sûr, le dialogue hein, qu'on est obligé de repasser. Je smash mes boutons pour essayer de passer le plus vite possible. Alors, si on attaque depuis en bas, ouais, c'est vraiment là qu'on lui fait le plus de dégâts. Oui, par contre, faut qu'on parte assez vite. Voilà, maintenant. Ouh, elle nous a bien suivi. Ah ouais, mais elle est trop forte. Faut qu'on s'éloigne plus, simplement. Ah là on est bien situé. Attention à ces anneaux qui peuvent tout d'un coup voilà faire une... Aïe. Oh non mais... Ok, quand on parle plus... Ça se passe un peu mieux hein. On va se cacher. Ouais, je pense qu'il faut pas. Hop là, il faut pas être greedy. Oula, attention, voilà, elle a ses 4 anneaux maintenant de protection autour d'elle. Du coup, il faut qu'on attaque depuis le côté. Ouf, partons de là parce que là. Ouais. Voilà, là on a réussi à mettre des coups. Ouais, ouais. Mais oui. Ça se passe bien. Attention, les 3 boules. Et là, elle va sûrement envoyer une attaque, voilà, juste à la fin de. Ouh là, on peut se mettre sous elle. Vite avant que les anneaux. Voilà, ils commencent à prendre une trajectoire un peu menaçante. Un cœur, allez, on va le récupérer. Ah, j'ai raté. Trop tard. Alors. Non, 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 le bloc. Ouf, on l'a évité, je sais pas comment. Ah oui, on peut se mettre sous elle, là, c'est bien. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. On est pas mal, non, on est pas mal. Ok, on pourra pas terminer le fight là-dessus. Mais maintenant oui, maintenant oui, maintenant oui, yes! Bah écoutez, je pense que c'est notre meilleur fight jusqu'à maintenant. Toute la question va être combien il nous reste de points de vie. Je crois qu'on est pas trop mal, hein. Une vingtaine en tout cas. Ça va nous permettre, peut-être pas de vaincre le docteur, mais en tout cas d'avoir un peu une meilleure vision sur comment il se bat, essayer de mieux comprendre comment il fonctionne. Voilà, 24 points de vie, l'arme au max, on est pas mal du tout, hein.
On est pas mal du tout. Table du roi, très bien. Alors là, il y a les petits Mimiga, malheureusement, en prison. Alors. Ouais, on l'a déjà vu, hein, le texte, bien sûr, il nous explique un petit peu qu'il a trouvé encore mieux que les fleurs rouges, hein. C'est des cristaux rouges qu'il va bientôt exhiber. Qui peut, parce que qu'est-ce qui est bien avec ces cristaux, c'est qu'il peut les donner aussi à des humains, pas seulement aux Mimiga. Et il nous a dit, d'ailleurs, tu vas voir ses effets. Et la seule logique qu'on peut comprendre, c'est qu'il en a ingéré lui-même. Enfin, ingéré, ou que le fait qu'il le porte sur lui simplement fait qu'il est devenu beaucoup plus fort. Et nous avons donc maintenant sa forme finale, j'imagine, voilà. Alors attention, parce qu'ils attaquent rouges là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, d'accord. Ouf, il s'est TP devant nous. Alors attendez, comment on fait pour les éviter? Ouais, alors faut... Il est où? Ok, je pense que dans un premier temps, on va s'en éloigner simplement. Oh là là, c'est tellement bizarre comme attaque. Ouais, alors... Ouh là là, ok. Bon, mais ça va, au moins on comprend. Tandis que ça... Ouais, mais attendez, il y en a partout. Ça, pour éviter ça... C'est chaud comme la braise. Je pense que si on se met à une certaine distance, ça nous touchera pas. Ouais. Faut qu'on trouve chaque fois la bonne distance. Ah ouais, là quand il se met en l'air, il fait son attaque de la mort ici. Aïe, ça fait mal. On est à un point de vie, hein. C'est le rec, c'est le rip. C'est le rect, c'est le rip, c'est la mort. Ah, une fin plus compliquée que le reste du jeu, hein. Clairement là il y a un vrai petit saut quand même dans la difficulté, j'ai envie de dire. Même si le fight avec Misery n'est pas si dur que ça, mais c'est quand même ce qui est dur quand même, c'est de le faire sans prendre aucun dégât, ce qui serait le top. Hein. Et le fight avec le docteur a l'air plus complexe. On va voir ça. C'est quand même bizarre, qu'il n'y ait pas un moyen de sauvegarder et se remettre full life. Mais je pense que ouais, non, c'est vraiment voulu. Hein. C'est vraiment ça la difficulté. Alors, on va se taire un peu. Hein. On a vu que ça marchait mieux. Si on nous envoie une de ses attaques. Ah ouais, non, mais on se met en dessous des boules noires. Je pensais pas qu'elle allait les caster. On se prend ça vraiment. Si on pouvait le prendre, assez risqué. Hein. Tant pis. Celui-là, par contre, nice. Attention, parce qu'elle a certainement enchaîné avec son attaque. Ouais. Ah, zut, ça nous a touché quand même. Je pensais qu'on était safe. Terrible. Un cœur. Oh, bon, là, il va être tellement compliqué à prendre. Bah oui. Ah, oh, on a repris plein de masse dégâts. Oh non, non. Oh non. Oh, on va mourir sans même le récit. C'est fight. Terrible. On va essayer de se remettre bien avant le. Parce qu'on on est trop bas en point de vie. Donc voilà, on va essayer d'égrappiller des cœurs. Ah non, mais j'ai complètement zappé les. J'ai complètement zappé les boules noires et leurs. leurs lasers. Leurs espèces d'éclairs odieux. Bon, allez. Ah, faudra qu'on se concentre un minimum, hein, quand même, à ce moment-là. Ça rigole moins. Ça rigole moins que le reste du jeu, clairement. Mais c'est bien, au moins, il y a une vraie difficulté, là. Enfin, c'est toujours relatif, hein, difficulté, bien entendu.
Ah non, mais on leur tombe dessus, ça c'est pas de chance. Après, ça nous a fait seulement un point de dégâts, voilà, là on prend max dégâts de nouveau. Bon, allez, on va se concentrer s'il te plaît. Quasiment remis full life, full pour l'arme aussi. Alors là c'est où elle est plus compliquée à atteindre, bien sûr, avec ces 4 anneaux qui tournent autour d'elle. Attention le bloc. Un cœur qui nous remettra full life normalement, ouais. On n'était pas à 42 en point de vie. Ah je crois qu'on on a dû rater une cellule. On a dû rater une cellule plus tôt et tant pis, on la récupérera plus hein, je pense. Ouais ouais. Ah ouais ouais. Il me semblait qu'on était passé plus que 38. Ah grosse erreur, grosse erreur. Bon ça reste faisable, c'est pas une énorme différence. Bon, pendant que je dis ça, je prends des dégâts et autres. Oh, mais qu'est-ce que je fais? Ah oh, mais non. Oh non. Oh non. Oh non. Ah non, lui, ah ouais, non, elle nous réapparaît sur la figure. Ouais, on a besoin de cœur là. XP, c'est bon. Ouf, je sais pas comment j'ai évité ça. Allez, des cœurs, des cœurs, des cœurs, mes amis, voilà. Mes amis, les... Les chauves-souris. Bon. Un cœur, un cœur, un cœur. Oh non, on reprend un dégât derrière. Oh non. Oh, ça fait mal. Cœur là, il me le faut. Ah oui non mais pas au prix de mourir. Zut. Bon et si on essaie de terminer ce fight, parce que là de toute manière je pense que c'est un peu... Ouais. Je pense que ça sert à rien d'essayer de temporiser plus que temps pour récupérer des cœurs. On en repère tout meilleur derrière. Voilà. Allez, allons voir le docteur. Ça c'est le fait. Est-ce que j'ai le temps d'aller chercher cette expérience à droite? Mais je pense qu'on est max, c'est meilleur. Bon, on n'a pas le temps. Allez, c'est parti. Avec 9 points de vie, on y croit. Hey docteur. Prépare-toi. Donc là, il faut qu'on le fasse à peu près sans prendre aucun dégât, je pense, pour gagner. C'est parti. Alors là, je pense à bonne distance, c'est ça. Non, pas du tout. C'est ça. On peut plus en arrière. Ouais, non, hein. On l'a pas encore dans l'œil, clairement. Dur, 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 dur. Ouais, je suis quasiment sûr qu'on pourrait avoir plus que 38 points de vie max.
Elle fait déjà ces trois boules là? Ok. J'accepte. On va s'éloigner, ouais, parce que là, son attaque, si on est trop près d'elle, c'est impossible à éviter. Hein. Hop. Ok, elle a déjà ses cercles. Pour moi, on n'a pas pris un seul dégât. C'est pas mal du tout. Oh non, le bloc, on se le prend. Oh non, pas le bloc. Ah non, mais non, mais non, mais non. On se jette pour aller chercher les... Oh là là. C'est dur. Oh là là, c'est dur. Non, pas le bloc. Ouh, il reste un petit espace. On a réussi à aller chercher. Attention, parce que son attaque, on la verra pas partir. Voilà, bravo. Mais il faut quand même rester un peu au contact avec elle, sinon... compliqué à éviter cette attaque-là, ouais. Exactement. Non, mais non, mais non, mais non, mais ce bloc, on n'a pas le droit de le prendre. Ah. À 10 points de vie, on est. Ouais, on est. Ça va pas. Faut qu'on essaye de tamper un peu. Bon. Oh, voilà le bouton. Ça, j'aime pas quand elle nous réapparaît sur la figure. Bon, là, on est très très mal. Hein. Je crois qu'on a 4 ou même moins de points de vie que ça. On va se faire one-shot par le docteur. Non! Triste histoire. Est-ce qu'on n'irait pas chercher cette capsule? Histoire de se monter un petit peu les points de vie max. Alors, je sais que ça va pas être une énorme différence, mais... on verra, on va encore essayer derrière. Bon là, je pense que hein, c'est voué à l'échec, à part si on est un génie. Mais c'est mal parti. On fera encore un essai derrière et si jamais on échoue de nouveau lamentablement, on ira peut-être chercher la cellule de vie. On verra si on peut aller la chercher, si on peut revenir en arrière. Comment on évite ça alors? Ok, là c'est bien. Ok, là c'est le cristal qu'il faut suivre. Ah ouais, 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 d'accord. D'accord, très bien. Bon alors là, je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai même pas vu avant que le cristal pouvait nous attaquer. Voilà, on va essayer de tout éviter. Ouais. Oui. Allez, on est courageux. Nouvel essai, c'est parti. Courage. Allez, on va essayer de se concentrer, pas trop parler. C'est parti. Thank you.
Oh non, l'erreur. Premier coup qu'on prend, dommage, hein. Oups, nice. Oh non, mais non, mais non. Ah non. Oh non, ah non. Dommage, on était vraiment pas mal, hein. C'était notre meilleur run jusqu'à maintenant. Mais là, ouais, là, on s'est déconcentré. Hein. Là, c'est la cata. Oh non, ça va mal se passer. Ah, dommage. Bon, c'est clairement faisable de faire ce fight sans prendre un seul dégât, hein. En vrai, c'est complètement faisable et c'est bien ce qu'il faut qu'on fasse, hein. Ah là là, si on veut avoir une chance pour le prochain fight. Bravo. Je dis bravo. Ah, bon, il y avait un moment où on était quand même bien concentrés, on faisait quand même bien les choses, hein. Attendez, on va juste aller voir cette histoire de capsule. Afin d'en avoir le cœur net. J'imagine qu'on peut pas retourner, hein, mais allons voir. Je suis sûr qu'on en a. Parce qu'on en avait pris une. On était mort juste après, certainement. Et on avait repris le niveau, on avait fait un autre chemin, et du coup, on n'était plus allé chercher cette capsule. À mon avis, hein, c'est ma version en tout cas. Ah non, mais faut refaire la caverne! Est-ce qu'il y a moyen de passer par ici? Un pas de plus et tu tombes. Oh, j'ai pas peur. Oh, j'ai même pas peur. On nous a plus jamais revus. Ok, d'accord. Bon, alors du coup, non, faisons une croix là-dessus. On va pas se retaper toute la caverne. On finira ce boss fight avec ces points de vie-là. Comme je l'ai dit, tout à l'heure, c'est pas une énorme différence. Hein. C'est vraiment une histoire de bien comprendre les patterns. Bon, pour Misery, c'est plus ça le problème, mais pour le docteur, par contre, oui. Et puis se concentrer, tout simplement, pas prendre des dégâts stupides, n'est-ce pas? Allez, c'est parti! Un peu d'eau. Oh non, mais non, je peux pas prendre des dégâts dès le début. Eh bien, si! Oh, ça nous a pas touché, miracle, ça a touché le petit rebord. Excellent. Façon concentrée.
Ah ouais, il nous est réapparu dessus. Alors ça, c'est, par contre, c'est compliqué à éviter. Parce qu'il n'y a rien qui nous annonce où elle apparaît. Hein. Ou alors, je n'ai pas encore vu. Oh non, j'ai grid, on était full vie, on était full, regardez les points de vie qui lui restent, vous pouvez voir sa barre de vie en bas, hein, si jamais, vous n'aviez pas remarqué avant. On va essayer de tomber, on va essayer de se remettre full life, hein. Je sais pas si c'est une bonne idée, on va peut-être le regretter. On est pas mal, par contre on verra pas son attaque, mais c'est bon. Bon ok, c'est bien, je pense que c'est notre meilleur résultat. L'arme full, 32 points de vie sur un max possible de 38. C'est bizarre, c'est dommage, hein, parce qu'il nous restait vraiment quelques coups, vous avez vu, là, on l'a touché deux fois je crois et c'était fini. On a un petit peu grid quand on était en dessous elle, je pensais qu'on pouvait la rush. Et terminer avec les points de vie au max. Bon, mais c'était bien, c'est une bonne run. Allez, il faut aussi trouver du positif quand il y en a. Et là clairement c'était une bonne run, on verra si maintenant ça va nous permettre de tenir un peu plus longtemps en face du docteur et mieux comprendre comment le battre. C'est parti! Il est où? Ok. C'est tellement compliqué à comprendre comment éviter ces trucs. Oh là là. C'est infâme. Hein. Ouais, c'est infâme. Il est où? Il est à gauche? Ça rebondit en fait sur le sol. Ouais, d'accord, j'ai compris. C'est pour ça qu'il reste aussi à l'écran. Ok. Ça, je ne sais pas. Si on va pas les voir partir. Ça y est, puis c'est niveau 2. Ça devient complexe. Oui, bien sûr, ça rebondit sur le sol. Ah là là. Il faut bien que je comprenne, faut que je comprenne mieux. Ah bon, faut que je... Il est où? À gauche? Il est à gauche. Ouais. Oh, regardez ses points de vie! On l'a fait? Je sais pas, j'ai peur. J'ai peur d'appuyer sur le bouton pour continuer le dialogue. Allez, n'ayez pas peur. Le pouvoir! Je ne le contrôle plus! D'accord. Ah oui, non, d'accord. Maintenant, je pense qu'on aura la forme énervée. Ah oui, d'accord. C'était juste la forme facile, en fait, celle d'avant. Ah ouais, c'est ce dont j'avais peur. Oh, et non, et nous one shot. Non, j'en peux plus. Il y a combien de boss à enchaîner? Oh non, secours. Ah non, vous êtes mort. Mais oui, d'accord, je suis mort de rire, surtout. Non, mais au secours. Bon, le point positif, c'est que... Oh, j'ai pris des dégâts ici. Oh non, là c'est le... C'est le pétage de plomb là, il sait plus ce qu'il fait, il meurt contre des mobs de niveau 1. Oh là là. Bon, je pense que ça veut dire qu'on a besoin d'une petite distraction.
Par ça, je pensais à un autre truc qu'il faudrait qu'on joue avec les autres armes aussi, surtout si celle-ci se dégrade. Alors attendez, pour les missiles, pour changer avec les missiles... Ok, il faut faire deux vers la gauche. Donc tac, deux vers la gauche, boum, tac, on revient. Deux vers la gauche, boum, tac, on revient. Je sais, j'utilise quelques missiles, mais c'est pas grave. Hein. Je pense qu'il faut qu'on maîtrise ça pour pouvoir tuer le doc. En tout cas, la première forme du doc, qui est assez infâme. Il faut qu'on arrive à la dégommer assez vite. Hein. Voilà, on se remet juste full life, hein, histoire de quand même bien commencer. Ah, je sais même pas si on arrivera à se mettre full life. Hein. Parce qu'il n'y a pas assez de cœur. Que faire? Oh ben... On va se dire que... On va bien drop quelques cœurs pendant le fight de Misery et tout ira bien. 34, mais oui. Allez, petit challenge. On commence pas full life, allez. C'est trop facile. C'est trop facile de commencer à 38 cœurs. Bien sûr. Donc oui, je pense que le lance-missile pourrait faire d'énormes dégâts. On pourrait vraiment, je pense, faire un sacré burst sur la forme. En tout cas, la première forme du boss du docteur. Puis sa deuxième, en fait... Alors certes, elle nous a tués d'un coup, mais elle avait pas l'air d'envoyer de missiles ou autre, donc si ça se trouve, c'est pas si dur, hein. S'il reste... comment dire, s'il reste... essayer de nous faire des attaques au corps à corps, c'est... Je pense pas trop dur à éviter, mais bon... Ça, on n'en sait rien, c'est... Pour le moment, c'est des... C'est juste des... supputations, bien sûr, des théories, hein. Bien sûr, on va se prendre l'anneau. Ah, juste pas, ok. La hitbox de l'anneau qui était plutôt sympa avec nous. Voilà, faut qu'on récupère des cœurs, hein, par ça. Ouf. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Et oui. Et oui. Et bien sûr. Alors, au moins, testons un peu cette... À quel point c'est fort, ces missiles. Attendez, poussez-vous, vous. Je ne vous parle même pas. Attendez, là on fait... Mais pourquoi il est niveau 1 le lance-missile? Parce qu'on a pris des dégâts? Ouais, j'imagine. Hein. J'imagine, c'est pas possible autrement. Oui, là on a un petit peu abandonné, on va pas se cacher, on va... Voilà, on va terminer, hop. On va reprendre. Attendez, pourquoi mon lance-missile était niveau 1? Non, je pense qu'on a pris des dégâts... et qu'on l'a équipé, ça doit être pour ça. Niveau 1? Mais pourquoi? Pourquoi? Non, alors là, vous savez ce qu'on va faire? On va se remettre le lance-missile niveau 3. Hein, parce que je pense que, franchement, je pense qu'il va être utile. Je pense que ça va être utile. Ah, attendez, j'ai un petit message de problème de place de stockage. Ah oui, parce qu'on enregistre la vidéo sur... Excusez-moi, alors, il y a un petit freeze sur l'écran, c'est normal. Je suis en train de faire un autre truc. Du coup, le jeu s'arrête. Alors attendez, je vais vite libérer de... L'espace, ah oui, c'est vrai que j'ai pas pensé qu'on était sur ce disque là. Tac, si on enlève tout ça, ça devrait faire. Voilà, rapidement de la place. Désolé, hein, petit problème technique. Voilà, c'est bon, on est nouveau dans le jeu. Et on est arrivé ici déjà. Ok, cool. Alors, du coup, toute cette XP, il faut qu'on la prenne avec notre. Oui, avec notre lance. Voilà, notre lance-missile. Alors, tout le truc, c'est de casser l'XP et de le récolter avec l'autre arme. Oui. Voilà, c'est bon, elle est au max. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les sauvegarder, hein, comme ça on n'aura pas besoin de faire ça à chaque fois. Et on vérifie qu'on a toutes nos armes au max. Oui. Très bien. Atterrissage nickel, quasiment sur la porte. Sauvegardons. Voilà, comme ça on commencera le boss fight avec notre lance-missile. Voilà, niveau 3. Nickel. Allez, c'est parti. On se reconcentre, on se remet dans l'état d'esprit le winner. Bien sûr. Let's go. Pour le moment, 3 boss à enchaîner pour le moment. Enfin, le deuxième boss, disons que c'est sous deux formes différentes. On verra s'il y a encore autre chose derrière. Hein. C'est possible. Peut-être que tous les Mimiga deviennent fous et nous attaquent tous d'un coup. Je pense que ce serait bien. Hein.
Ou le dodge, pas mal. Toujours là, hein. Je me concentre, c'est pour ça que je ne parle pas, désolé. On n'a pas un bon... Ok, là c'est bien, là il est mieux placé, on prend au moins mettre quelques coups. Voilà. Pas énorme, hein, cela dit. Okay, là, elle est toute à droite, alors ça c'est pas terrible, ouais. Tant qu'on y retourne, elle va nous envoyer une autre attaque. Attention, on bloque, ouais, je pensais que ce serait ça. On la touche un petit peu, mais pas beaucoup. Attention. Ah, j'étais tout à droite. Qu'est-ce qui se passe si on passe par-dessus ces boules noires en fait? On n'a jamais tenté. Bah, allons-y. Elles reviennent de l'autre côté. Ah, oh, c'est terrible. La mauvaise idée. Alors qu'on était full vie, full XP. Voilà, maintenant on se déconcentre, bien entendu. C'est la suite logique. Bon, au moins on le saura. Il fallait tester. Hein. On a appris un nouveau truc. Ok. C'est quand même important. Oh, j'ai pas vu le bloc. Terrible. Bon. On voit que tant qu'on reste concentré, tout se passe bien. Petite perte de déconcentration et c'est la catastrophe en chaîne. Terrible. Allez, essayons au moins de refaire ce qu'on a déjà fait, hein, c'est-à-dire voir la deuxième forme du boss du docteur. Concentration maximale, s'il vous plaît. We'll be right back.
Non, non. On était tellement proche de faire le fight sans faute. Oh là là. Je suis triste. Je suis triste. Au secours. Oh, on avait tellement bien fait. Et d'ailleurs, j'étais tellement fier de moi. Je disais rien tellement j'étais concentré. Mais on n'avait pas grid. Plusieurs fois, on aurait pu essayer de la burst. Et puis on circulait, évitant absolument chaque coup. Alors là, on s'est pris ce bloc qui est apparu là, alors qu'on arrivait dans un coin. Ça devenait très dur à éviter. Ah là, je m'en veux. Dommage. Mais il y a le potentiel de faire ce fight sans prendre aucun coup. Là, on était tellement proches. Bon, allez. Ah oui, on avait dit qu'on le spammait avec nos missiles. On va tester ça. Hein. Vu que je change d'arme quand il finit de blablater. Comment dire ? Pas sûr que ça fasse tellement plus de dégâts que... Ah oui, quand même. Ok, ça c'est fait. On passe au... la forme suivante. Ça m'a l'air pas mal d'utiliser les missiles ici, hein, pour le moment. Alors là, il faut vite qu'on se remette sur l'autre, sur le laser, par contre. Histoire qu'on puisse s'envoler dans les airs. Si l'air reste au corps à corps... Il est où ? Ok. Voilà, on peut utiliser notre pistolet, comme ça on est assez... On peut même rester dans les airs, en vrai. Je pense qu'il va quand même venir dans les airs au bout d'un moment, hein. Ça me semblerait trop simple, sinon... Attendez, faut qu'on garde un peu un œil sur lui. Ouais, sinon on n'est pas bien. Ah oui, d'accord. Ok, il envoie donc des trucs, mais on peut les détruire, donc ça... Ah oui, par contre, elle reste, ouais. Ok, d'accord. Ok, je comprends le problème. Ouais, je comprends le problème. T'inquiète pas, je comprends le problème. On l'a mis quasiment mid-life, allez, c'est pas mal. Il est où ? Qu'on le voit, sinon on le verra pas nous foncer dessus ou autre. Oh, il me fait tellement mal. Il est où? Non, arrête avec tes chauves-souris de la mort. Par contre, ça c'est nul. On l'a fait. Yes. Alors j'espère qu'il n'y a pas une forme numéro 3, hein, parce que alors là, je pense que mon cœur ne va pas tenir. On va perdre nos nerfs. On va voir ça tout de suite. Ok, il s'efface. Allez, c'est gagné. Vous avez vaincu le docteur. Oui. Oui. Oh oui. Nice. Ah. Et le chemin continue. Alors, est-ce que c'est un chemin vers un nouveau boss? Parce que là, je vous avoue que je fatigue un petit peu, un tout petit peu, hein. Un tout petit peu. Tiens, on va lui parler à lui. Tu te rappelles de moi? Après Reveal, j'avais perdu ma clé. Oui, voilà. Ce docteur ne prévoit rien de bon, hein. Il avait perdu sa clé après Reveal. Ah oui, je me souviens exactement. Après Reveal, tout à fait au début du niveau. D'ailleurs, il s'appelait Santa, si je dis pas de bêtises. Ah, juste, elle nous a raconté quelque chose. Oui, je la connais. Cette fille ressemble à un Mimiga, mais c'est une humaine. C'est ça? Elle nous parle dessus, bien sûr. Mes yeux ne peuvent me tromper, mais elle n'est pas par ici. Ça, c'était quelque chose! Ah, ça lui a plu à la petite, notre bataille épique contre le docteur. Espace noir, c'est pas terminé. Oh, et on n'a pas de sauvegarde, on n'a pas de... On peut pas se remettre full life. Ça nous rappelle un boss, hein. Ça nous rappelle un boss. Ok, on peut lui sauter dessus. Voilà, c'était ce boss-là. C'en est trop! Ah, Mystery qui est de retour. On va de nouveau l'affronter, non? Ah, elle fait apparaître dessus. Si tu tiens à sa vie, ne t'approche pas du noyau!
Même un robot peut se soucier de la vie d'autrui. Tu es vraiment différent des autres, qui sont venus il y a des années. J'ai jamais prédit que tu vaincrais le nouveau roi. Qu'il en soit ainsi, je vais te faire une offre. Soit vous mourrez ensemble sur l'île, soit tu pars et tu oublies tout ce que tu as vu sur l'île. Si tu le promets de suite, la vie de cette fille sera sauve. Sinon... Ah, donc un nouveau choix cornélien qui s'offre à nous apparemment. Mais, qui intervient? Tu ne t'enfuiras pas. Ah, une voix alors. Une voix suspendue en l'air. Qui va là? As-tu déjà oublié la voix de ton maître? Ah, le docteur n'était pas mort. Oh oh oh! Le pouvoir des cristaux est incroyable! Il parcourt tout mon être! Mon corps n'est peut-être plus, mais ma conscience n'a jamais été si vivante! J'ai l'impression d'être un dieu! Toi! Qu'y a-t-il, Misery? Ma forme t'effraie? Brrr. On ne triche pas avec la mort! Disparaît! Une folle qui se retourne contre son maître ne mérite pas la liberté. Misery, tu seras ma marionnette pour l'éternité. Et au-delà. Quoi? Oh non, la pauvre. Du coup, il va la posséder et on devra se battre contre elle. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt pour un nouveau boss fight, les amis. Je suis pas prêt. Fichons le camp d'ici. Ah, je suis assez d'accord. Hein? Oh non. Oh non, non, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il l'a capturé avec le cristal. Vous ne quitterez jamais cet endroit vivant. Et il y a un nouveau fight. Il y a un nouveau boss fight. Non mais là c'est exagéré quand même. Alors on va essayer de comprendre. Ouais, il y a des trucs à éviter. Par contre on fait pas de dégâts pour le moment. Il y a celui qui est là. Faut pas qu'on touche, hein, j'imagine. J'imagine qu'il faut éviter. Peut-être on peut sauter dessus, hein. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de tester ça en sachant que... Si on meurt, on doit tout faire. Je pense qu'il faut pas qu'on le touche, hein. Ouais. Ok, là on arrive à le toucher, mais qu'est-ce que c'est? C'est Misery, ça, qui s'est transformé? Ah ouais, je pense. Qu'est-ce qu'il nous envoie? Bien sûr, des chauves-souris. Sinon, c'était pas drôle. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça on peut pas les détruire, ok, faut les éviter absolument. Bah voilà, on s'était pris. Voilà, on s'est repris. Ouais, je pense qu'il faut qu'on profite pour l'attaquer parce qu'il n'y a pas énormément d'attaques. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, bon ça va encore. Surtout s'il nous donne max points de vie et tout ça. Ah mais pourquoi elle nous tape dessus? Je crois qu'on a pris des coups dessus. Peut-être pas, j'ai peut-être pas bien vu, hein, je vous avoue. C'est pas une info sûre. On essaie d'envoyer des... Faut qu'on ait absolument... Ah ouais, celui, elle est contre nous aussi. On lui tire dessus, quoi. Mais what? Mais su, mais pourquoi? Oh non, mais non. Oh non, je suis pas d'accord. Oh non, là, je veux une sauvegarde avant ce boss, quand même. Oh, terrible. Mais oui, vous êtes mort, bien sûr. Réessayez, ben oui. Mais pas aujourd'hui. Mais pas aujourd'hui. Bon, cela dit, je pense que si on utilise les missiles, ces points de vie peuvent descendre très très vite à ce boss-là, hein. Combien on a de missiles en tout? On va faire un petit bilan stratégique. On en a... Comment ça, 29 sur 30? Ouais, bon, 30. Je pense qu'il nous en faut une bonne... ouais, pour tuer la forme numéro 1 du docteur, on en a utilisé quand même... une bonne... PT, je pense une vingtaine. Il nous en resterait 10 pour le prochain boss, quelque chose comme ça. Ouais, je pense qu'il faut qu'on essaye de jouer avec ça. Hein. Mais ça, bien sûr... Vous l'aurez compris, on utilise tous nos missiles. Bon, c'est pas grave, parce qu'on reprendra la sauvegarde, hein, donc pas bien grave. Ouf, bah écoutez, c'était un épisode assez assez éreintant pour moi, assez fatigant. Mais c'est pas grave, parce que dans le prochain, il faudra tout refaire.
Allez, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour enfin réussir à battre ce véritable boss rush pour le coup. Ciao!